contre la 63, Lambourg-Éric, Bévin 66, la 8 contre la 63. Allez, bonjour à tous et à tous. Allez, c'est parti, on va suivre ce quart de finale du National Doublette Mixte à Dijon. Allez, vous présenter les deux équipes qui ont gagné leur huitième de finale ce matin. Alors, Kelly Fichez et Arnaud Drecourt de la boule mirobelloise contre l'équipe Goudas Hélène et de la martyr Nicolas. Allez, on prend la partie en course et la première mène. Deux points, hein? Bon, Martin. C'est qui? C'est Kelly qui a marqué un peu?
Regarde. C'est Fabien pour Nico. Allez, bonjour à toutes et à tous. On prend la partie en cours de ces quarts de finale de doublette mixte à Dijon. Alors c'est la quatrième main. L'équipe Fuchs, Kelly et Arnaud Drecourt de Mirbeau mène 6 à 0 devant l'équipe de NH, Koudassé Hélène et Nico Delamarty. Pour l'instant, on assiste à un beau début de partie. Ouais, que Kelly s'appointe bien, que Hélène également, et Nico Delamarty et Arnaud Recourt. Ça joue bien au tir également. Ah, c'est repris, Kelly. J'ai ma prise, je te dis tout de suite.
Alors que décide Nico, va peut-être tirer peut-être au bouchon. Alors, il tire la boule, il prend la sienne, il n'est pas droit, il prend la sienne. Ah, du coup, là, bah. Alors du coup là faut pas s'écarter hein, parce que 0-6, deux boules en main contre 4 et le point par terre pour l'équipe Fuché. Ah Hélène, il faut rentrer. Voilà, c'est bien joué, c'est rentré, mais peut-être gagné. Hein. Oui, il est gagné. Ah, il y a un doute du côté d'Arnaud, ils vont mesurer. Il a contré, mais je pense qu'il a encore le point. Ah ben ils vont remesurer du coup. Il reste une boule, hein, l'équipe de la Martyr et Roudas, donc Hélène. C'est bien joué. C'est repris. Allez, Arnaud Drocourt, deux boules encore. Hein. Deux boules pour Arnaud Drocourt et une boule pour Kelly Fichet. Oh, c'est carreau pour Arnaud Drocourt. Alors là, il y a de la place hein, pour ajouter. Il reste encore deux boules. À 6 à 0, ça peut faire 4 points, hein, cela mène. Tu peux appeler la... Non, la dame à lunettes. C'est bon. Ah, c'est rajouté. Thank you.
Ah, du coup, je me suis absenté un petit peu. Ça fait une mène de 4, bien méritée quand même pour l'équipe de Kelly Fischer à Nogrecourt, qui porte le score maintenant à 10-0. Alors, je me suis absenté quelques minutes parce que y a un gagnant qui a été tiré au sort, qui a partagé les vidéos. Donc je lui ai remis son cadeau, et là en l'occurrence c'était un mug Pétanque Movie. Alors n'hésitez pas à partager les vidéos, et vous serez tiré au sort pour gagner des casquettes collector, t-shirts et polo, mug. Allez, maintenant c'est le moment pour l'équipe de Rudas, Hélène et puis Nico Delamartyr de trouver une solution. Mais je pense que la solution elle est toute trouvée, faut faire tirer à Arnaud Drocourt toutes les mènes, mais là c'est l'occasion parce que là il y a de la place, la boule est à 1 mètre. Et là on a joué assez court du côté d'Arnaud Drocourt. Donc le but est à environ à 7 mètres. Alors Hélène a un petit peu de mal à rentrer dans la partie. Ne fait pas tirer d'entrée, c'est dommage. Allez, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la page Facebook Pétanque Movie. Ah, c'est bien repris du côté de Kelly. Allez Nico, faut qu'il sorte, comme on dit, la classe, faut qu'il nous sorte 2-3 carreaux dans cette main now. Pour espérer. Oh, ah, c'est manqué. Eh bien, c'est à l'image de toutes les mains, elles se retrouvent en désavantage de boules. 4 boules à 3. Et le point par terre. Alors on a à côté là de ce jeu, on a les finalistes de l'année dernière, Lisa Colino et Sébastien Lerin, qui sont opposés à l'équipe Alexis Damien et Nicolas Seine Karine. On les a filmés sur ce huitième de finale. Allez Nico. Alors Nico là, il n'a pas de chance parce qu'il a contré sur la sienne. Il a contré sur la sienne et il y a 2 points pour l'équipe Fischer. Alors là c'est... Ouais. Alors là oui, comme il y a le délégué du National, il dit quand ça veut pas aller les boules, bah oui effectivement là ça veut pas aller parce que... Là il se retrouve vraiment en difficulté, il ne reste plus que 2 boules. 3 boules au tireur d'un autre recours et une à Kelly Fischel. Alors si Arnaud viendrait à taper celle-ci, ça deviendrait compliqué. Voilà, c'est tapé. Allez Hélène, il faut faire quelque chose, essayer de mettre devant le bouchon.
Ah oui. Ah ben c'est très bien joué. Devant le bouchon. Alors si Arnaud viendrait à sortir la boule sans le but, à sa deuxième boute de tir, c'est terminé. Hein. Ah ben il a contré également, mais enfin il reste debout, là, ils ont le point par terre. Je pense qu'ils ont le point. Ah non, ils n'ont pas le point du coup. Du coup, ben, c'est pas sûr de gagner sur cette main. Hein. Ouais. L'Arnaud. Donc du coup il a contré, alors je sais pas si ils ont le point du coup. C'était vraiment une mène de gagne. Hein. Alors c'est un point ou deux. Et c'est 2 points. 12-0. Allez, 12-0 pour l'équipe Fuchs, Kelly et Arnaud Drocourt. Un jeu du but environ à 7,50 m, hein, comme un petit peu à leur habitude. Hein. Voilà, c'est une nouvelle fois bien pointé. Ah, il y a le bouchon. Pas payé le tir quand même malgré tout parce que c'est vraiment bien tiré mais il a pris un peu de demi-boule. Ouais. Marc Fernico. Il est un petit peu blasé, hein, pas de chance hein, sur son tir, hein. Il n'y avait pas beaucoup de sable devant, il l'a pris demi-boule. Voilà, bah, il tirait bien, il tirait le bouchon. Hein. Il tirait le bouchon, c'est sorti. Ah, intervention de l'arbitre, M. Jean Locatelli. Ah oui, essayez de. Donc le bouchon n'était pas marqué. Donc. Donc il fait mettre le rond à la ficelle. Bon. Voilà. L'intervention de M. Jean Locatelli. Ah Jean il nous fait toujours un spectacle Jean, donc c'est sympa. Ah là, là qui passe devant, il aime hein, passer devant ma caméra hein. 4-5 fois dans la partie. Ah cette fois-ci Arnaud a lancé le but assez loin. Bon,
Bon, bah, du coup, Nico, lui, je pense qu'il va le mettre court, voilà. Il va le poser autour des 6,50 m, hein, cette fois-ci. Je pense que peut-être qu'il aura l'occasion encore dans cette partie de tirer au bouchon, parce qu'à 0,12. Manqué pour Nico. C'est cadré. Allez, on a décalé la caméra pour puissiez suivre cette mène. Une nouvelle fois bien joué, hein, Kelly, hein, qui fait vraiment sa partie au point. Et Nico, quant à lui, il n'a plus qu'une boule. Hein. Ouais, c'est carreau pour Nico. Une nouvelle fois pour Arnaud Rocco. On avait une belle partie, on est sur une belle partie des tireurs. Ils ont fait leur job. Du côté de l'équipe Rodas, Hélène n'est pas rentrée dans sa partie. Elle n'est pas du tout rentrée. Et du coup, ça a fait vite la différence. Là, là, là. Très forte, elle a peut-être gagné le point. Ah, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Il reste deux boules. Alors, qu'est-ce que va lui demander Nico? Parce que voilà, le vrai jeu ce serait de tirer le but. Parce qu'à 0-12, l'équipe Fuchs et Arnaud Drocourt ont encore trois boules en main. Ouais, voilà, c'est ça. Il va lui demander de tirer le bouchon. Allez, bah, du coup, Hélène n'a pas tiré hein, de la partie. Hein. Allez, Hélène tire au bouchon. Ah, c'est court, mais c'était droit, mais c'est court. Donc là, à mon avis, ça va devenir compliqué. Hein. C'est gagné. Voilà, et trois boules. Trois boules à l'équipe Kelly Fuchs et Anne Andrecourt. Et bien, c'est frappé gagné. Hein. Frappé gagné pour Anne Andrecourt. Oh, c'est pas droit.
Oh, c'est manqué pour Arnaud Decaux. Il n'a pas doublé une seule fois de la partie là. Ça, il tire la gagne. Alors attention quand même, parce que on connaît la pétanque, hein. Ça va vite, hein. Donc, allez, Kelly Fichet. Ouais, Kelly Fichet, ce qui est également aussi une très bonne tireuse. Ouais, c'est frappé gagné pour l'équipe Fuchs et Kelly et Arnaud Decaux. Oh, c'est manqué. Trois trous dans cette main pour la gagne. Alors j'espère qu'ils vont pas le regâter, hein, parce qu'on connaît la pétanque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah ben du coup, 12 à 1. Allez, j'ai du but pour Nico à 6 mètres. Hein. Il veut, à mon avis, se garder la possibilité de tirer au bouchon. À 1-12. On va faire travailler l'arbitre, Jean Locatelli. Le bouchon est pas bon. Nico? Ah, Nico veut mettre 9 points, bah, ça va peut-être venir. Hein. Et comme vient de le souligner Nico, il dit que l'équipe Fuchs, Kelly et Arnaud Decaux joue plein depuis tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais là, ils ont laissé la possibilité avec ces trois trous frapper gagner. Avec ces trois trous, bah oui, ils s'étaient frappé gagner. Ils ont laissé la possibilité de revenir dans cette partie. Hein. Et maintenant, c'est surtout à Hélène, hein, de bien rentrer dans cette partie, de faire tirer l'entrée. Aline Hélène Roudas, c'est le moment. Et voilà, bah comme je vous l'ai dit, hein, si ça commence à faire si Hélène commence à faire tirer, ça va changer la partie. Allez, Arnaud Decaux, bah, qui reste sur deux trous pour la gagne. Ah mais c'est frappé. Une nouvelle fois bien pointé, hein, d'Hélène. Oh, on l'a vu à la main, c'était haut. C'est haut pour Arnaud, il va retirer, hein, ce jeu. Oh là là, il y en a qui s'énervent sur le terrain d'à côté. C'est une fois bien cadré, hein, pour Arnaud Decaux.
Oui, hein, ce que je vous ai dit, hein. Si Hélène rentre dans sa partie, là, elle en a mis trop au bouchon, elle fait tirer. Alors Arnaud, oui, effectivement, il a cadré, mais ça reste différent des autres mains. Hein. Parce que là, Nicolas Delamartyr se retrouve, lui, avec ses trois boules. Hein. Alors, trois boules à trois, le point par terre. Si Hélène rentre bien dans sa partie au point, ça va changer la physionomie de la partie. Hein. Allez, qu'il est fiché au tir. Ah, rester sur un manqué. Et là, un tir 50 devant, ça fait carreau. Ouais. Bah, ça désole un peu Nicolas Delamartyr, mais bon. Voilà. C'est la pétanque. Et comme disait notre délégué du national tout à l'heure, quand ça veut pas y aller, eh ben ça veut pas y aller. Hein. Allez Nico. Ah Nico qui reste hein, sur des belles frappes. Hein. Ah super carreau de Nicolas. Je lui dis attention, la partie peut vite tourner hein, parce que si si Hélène commence à mettre un peu de points et puis Nico se retrouve avec quelques boules au tir, évidemment ça changera. Ah bah Kelly va retourner au tir. Hein. Là, je vous l'ai dit, hein, cette partie au tir, c'est assez impressionnant à part la main précédente où là l'équipe de Kelly a fait trois trous pour la gagne. Mais là c'est touché, il y en a peut-être assez. Bon, il y en a assez, hein, ils ont 12. Bon voilà. Elle a fait le minimum, mais il y en a assez. Deux boules à une, le point par terre. Ah non, du coup, il y en a pas assez, non. Non, ils n'ont pas le point. Ouais, bon, ils ont décidé de pointer. J'aurais pu également retenter le tir. Mais bon, ils ont décidé de pointer. Oh c'est long pour Kelly. Et voilà, Nico a deux boules. Je peux rajouter, elle peut rentrer sur sur la boule de derrière et puis tirer à deux par la suite. Oui, il va peut-être tirer avant. Je pense qu'il va tirer avant, je le connais un peu. Mais oui, il va tirer avant. Ouais, c'est pas déjoué, hein. Que s'il pointe sa première et puis qui se colle dessus, il pourra plus tirer à deux. Voilà. Ah, elle est pas droit. Toujours une boule de rajout. Bon, Nico il a décidé de tuer, mais il a le point alors. Je sais pas pourquoi. Ah, il a cadré, c'est deux points. Allez, on est bientôt à l'heure de jeu.
à l'équipe Fichez et Arnaud Drecourt, mène 12 à 3. Alors le but est à environ à 7,50 m. Ah mais Hélène, ça y est, elle s'est repris. Voilà. Donc là on n'est plus sur la même partie hein, parce que Hélène s'est repris au point. Là, j'ai mes deux collègues, là, Seb Lucas et puis Claude Fievez, qui viennent m'embêter. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est avoir ces gens-là. Voilà. Ah, et j'ai que ça. Je suis désolé, j'ai que ça. Ah, c'est bien pointé quand même, malgré tout, elle est quand même là. Ah, c'est bien joué, Kelly fait bien sa partie au point. Ah, Nico, je pense qu'il va faire pointer Hélène. Elle est derrière, non? Ah, visiblement, je regarde. Ah, je pense qu'il devrait la laisser pointer sa dernière boule. Alors je vais faire un petit coucou à Christophe Boss parce que d'habitude il commente avec moi et puis là hier il était de mariage donc il est sûrement pas levé. Donc je lui fais un petit coucou puis je l'embrasse bien fort et on le retrouvera pour le marathon féminin au mois d'octobre qui se déroulera à Dijon. Bah super, hein, bien joué, bien tiré le côté de Nico à carreau. Oh, c'est fort pour Kelly, c'est fort. Là, c'est court. Alors là, elle a vraiment mal mise parce qu'elle est en plein dans l'axe de la boule. Je lui ai dit, ce ne sera plus la même partie hein, si Hélène Goudas commence sa partie au point. Et là, ça fait deux mains. Là, ça fait deux mains qu'elle est rentrée. Et ça change la physionomie de la partie. Ouais, c'est bien pointé hein, du côté d'Arnaud. Ah, Nico, lui, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. On est emmené à 3 à 12.
Ah, il répond toujours présent, il répond toujours présent. C'est bien tiré, il y en a assez. L'objectif, hein, c'est de marquer. Voilà. Et il le sait. Je connais bien ce joueur. Il est très intelligent dans le jeu. Ah, une nouvelle fois bien pointé, hein, Darnaud. Allez, Nico. Celle-ci est très importante. Et le 13e, il reste une seule boule à Hélène. Ah, c'est manqué, c'est manqué. Il a frappé la sienne et il y en a deux par terre. Là, ça va être très, très compliqué. Ah, je pense que là ça va être très compliqué. On va essayer de tirer. Alors, moi je pense pas qu'il tire au point. Hein. Je pense pas parce que je suis pas très loin et je pense qu'il y en a deux. Il y en a deux par terre pour l'équipe Adrocourt, Arnaud et Kelly Fiches. Donc là, dans tous les cas, si on tire, c'est pour faire carreau ou cadré. Mais je pense que là, non. Alors, je ne sais pas ce que va demander Nico à Hélène. Je pense que la meilleure des solutions, c'est de pointer, de ne pas être court. Pour rester dans cette partie. Alors, c'est tous les quarts de finale hein, de ce national sont terminés. Alors, j'ai vu sur le carré d'à côté que Sébastien Lorrain et Elisa Colino sont qualifiés pour les demi-finales. Alors ça discute beaucoup, mais bon, dans tous les cas, on pointe fort sur la boule ou on tire, hein, mais il y en a deux par terre. Hein. Ah, l'arbitre s'approche des joueurs là parce que ça fait un petit peu plus d'une minute. Voilà. Donc là, Nico, toujours avec le sourire. Qu'est-ce qu'il va demander à Hélène de faire ? Ah ouais, je pense qu'ils ont décidé de tirer la boule. Oh, c'est super frappé, mais bon, elle a contré, c'est la sienne. Donc là, c'est terminé. La qualification de Kelly Fiches, Arnaud Daucourt de la boule mirobeloise pour les demi-finales de ce national doublette mixte à Dijon.